avant d'aborder la mise en espace, les installations scénographiques, puis l'écriture. Sébastien Gérassi travaille plusieurs années comme comédien et participe parallèlement à divers aventures cinématographiques où il tisse d'importants liens avec les milieux techniques et artistiques français. En 2004, avec Honorine Lefetz, Charles-Étienne Colly et Johan Weintraub, il fonde la compagnie La Troupement qui l'oriente vers un parcours résolument contemporain. Il monte des auteurs comme Xavier Duringer, Michel Azama, Michel-Marc Bouchard, Sergi Belbel, Juan Mayorga et plus récemment Kofi Kwahulé, Mohamed Drouabi et Marine Auriol. Au fil des créations, il offre au texte des univers complètement oniriques, grâce à des scénographies chocs, utilisant les nouvelles techniques visuelles du théâtre qu'il mélange à celles du cinéma. Formé en partie à Grenoble au lycée Champollion, puis avec la compagnie Yvon Chay, Pascal Mangel, Thierry Ménézier et Clotilde Aubrier, il reçoit en 2007 son diplôme d'études théâtrales à l'université Stendhal et crée en 2009 le collectif du théâtre du risque, avec de jeunes comédiens issus du conservatoire de Grenoble. Son parcours s'est fondé au fil des années grâce au soutien et à la confiance des salles de spectacle, des institutions et des personnes qui appartiennent à la diversité du réseau théâtral français. Son travail sur Les Recluses fut accueilli au Festival d'Avignon Off 2011 et entre dans les coups de cœur d'Arte parmi les événements plébiscités par le public.